Vous allez voir les particules. Ok, parfait. Et une petite slime CGX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous présenter un pack no lag. Je vous le présente parce que je l'ai trouvé et puis je le trouve vraiment sympathique. Du coup je vous le partage, je vais vous le présenter. Vous allez voir la différence avec un pack, on va dire basique, et vous allez voir vraiment la différence. En tout cas là-bas vous pouvez voir que c'est vraiment fluide, je vais vous expliquer pourquoi. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de série. Je vais essayer de présenter quelques packs, ça pourrait être vraiment cool. Donc si vous aimez cette série, faites-le moi savoir en commentaire et avec la barre des pouces bleus. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire. Ça vous prend 2 secondes. Regardez si vous êtes abonné ou pas. Et si vous n'êtes pas abonné, bah je vous souhaite la bienvenue. Ok, on se retrouve en rush. On va faire un petit peu de 4v4. Je vais mettre un petit peu la nuit. Le pack en fait, de base, je crois pas que c'est un pack rush. Mais vous allez voir que bah il passe quand même crème. Les blocs ont été custom et tout. De base, je crois que c'est un pack potion. Mais il n'y a pas de souci à ça. On peut quand même l'utiliser pour faire du rush. Vous allez voir les particules. Ok, parfait. Non! J'ai bloqué les FPS à 210. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de drop, que ça va pas monter puis redescendre d'un coup. Au moins, je pourrais rec en 180 FPS. Je rec actuellement en 180 FPS. C'est beaucoup quand même. Vous verrez juste la différence sur YouTube avec le flou de mouvement en fait que ça va créer lors du rendu de la vidéo. Et c'est assez joli, c'est agréable. Les items sont basiques, on va dire, à part les diamants. Les diamants, ils sont custom. Les blocs sont custom, mais après, c'était pas des trucs non plus en 128 par 128. Mais je lag! Je sais pas ce qu'elle a ma connexion, j'espère que je me fais pas boot. Ok, donc voici la nuit, elle est sombre. Bah, je pense que je préférerais quand même le jour parce que un ciel sombre. Vraiment très sombre en rush, je trouve que ça passe pas du tout. Après vous pouvez carrément l'enlever. Voilà, ce qui vous donnerait ça. Vous pouvez l'enlever, après je trouve ça un peu dégueulasse quand même. Mais après voilà, c'est quand même assez dégueulasse en fait hein. Ok, donc j'ai mis la moitié jour, moitié nuit. Et en fait ça a l'air d'aller moitié jour, moitié nuit. Donc pour ceux qui veulent voir les sky. Ils sont pas drôles wesh. Putain le con. Non mais je lag. Je sais pas pourquoi je lag autant mais c'est assez relou. Et je tiens à préciser aussi que bah, le pack vous pouvez l'utiliser dans tous les modes de jeu. Potion, Rush, Skywars et bah réellement vous allez voir que ça rend quand même bien. Voici les diamants, j'avais pas montré mais là j'en ai un. Donc voici les diamants, ils sont un peu, bah ouais c'est un pack rainbow. J'ai oublié de le préciser mais c'est un pack rainbow, je sais pas si vous l'avez vu, normalement vous l'avez vu. Mais voilà, j'ai oublié de le préciser, c'est rainbow et enfin vous êtes pas con si vous l'avez vu normalement. Voici les blocs, ils sont, franchement ça va, franchement je trouve ça stylé de ouf. Ouais ils sont animés et tout, animés no lag, bah franchement ça c'est parfait. On va lancer un petit Ika Brain pour voir la fluidité du pack. Je crois qu'en Ika Brain la fluidité est encore mieux. Donc bah je vais pouvoir faire des sales montages. Ok go. Parfait. Parfait. Premier point. GG. Arrête sale loupe. J'espère qu'on va le faire rager un petit peu. J'ai une petite latence. J'ai une latence. Allez. Par contre, j'ai vraiment de la chance là. Non, même pas. Allez, perds du temps. Et j'ai le point. Bravo. Je pense qu'il a pété un câble. Allez, voilà. Rush kit. Bon, premier rush kit. On essaye de refaire une deuxième game et vous allez voir qu'ils vont quand même rush kit. Sa cape, elle est vraiment belle. Genre, la mienne aussi, mais... La mienne est plus belle, mais voilà, la sienne, elle est quand même belle. Pour ceux qui sont intéressés, les mecs, j'essaierai de faire un petit tuto, je pense, pour avoir une cape comme ça. C'est une cape Optifine, tout le monde peut la voir. Wouh! Son KB, son KB. Ah non, c'est bon, mais c'est bizarre. Oh putain, ce coup, unlegit. Parfait. What? Ok, j'ai marqué, mais j'ai des putains de latences en vrai. Je sais pas pourquoi j'ai des latences comme ça, c'est insane. Ça me fait péter des câbles. Ça se trouve, je suis en live, j'ai appuyé sur live. Au de record. Parfait. Oh là, ce mec, il doit péter un câble. Hein. Je sais pas comment il m'a pas tapé. J'essaie de faire des sondages aussi en vidéo. Donc, par exemple, là, on va tester. Genre, est-ce que vous le trouvez légit ou pas? Marquez en haut à droite, cocher oui ou non, s'il est légit ou pas. Comme ça, je pourrais faire des sondages. Pas que sur le truc YouTube, là, le chat YouTube. Enfin, l'espace communauté YouTube. Pour ceux qui connaissent, je publie souvent des réductions et tout. Ok, parfait. Alors, ça, il doit vraiment péter un câble. Ce glitch, les mecs, il est magnifique.
Parfait, voilà. Le mec, je crois qu'il cheatait. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Bon allez, je vais faire un 1v1 en plateforme pour voir un petit peu la fluidité quand on fait des 1v1. Ok, donc je propose gentiment à un abonné de me 1v1 en Ikabrain. Et bah on va voir tout simplement bah, s'il accepte et bah on va faire un 1v1. Je suppose qu'il est abonné, il a marqué mon nom et je l'ai invité. Vas-y, on va faire un petit 1v1 Ikabrain. Par contre si je lag, j'ai vraiment le seum parce que je suis connecté en 4G. J'ai pas eu 30€ par mois pour faire des lives. Parce qu'avec ma connexion normale, je ne peux vraiment pas. Ok, go platform. Ok, go. Ah, il veut faire un screen, on fait un screen avec l'abonné. Allez, go, on va se fight. Du coup, résultat final sur le pack, c'est que vraiment je le trouve bien. Dans le sens où est-ce que je pourrais rec avec beaucoup d'FPS par rapport au pack de base. Ou est-ce que bah, j'arrive pas du tout à rec en 180 FPS. Je vais vous montrer ça. Si on prend le Versailles V4, je pense que j'aurais du mal à le faire tourner en 180 FPS. Bon, c'est en 140, mais je pense que j'ai un peu de mal quand même. Mais après, voilà. Du coup, voici le Versailles V4. Et bah, je trouve que le jeu est nettement plus fluide sur ce pack. C'est un pack 32x32 de ApexEye. En tout cas voilà, je le trouve vraiment beau. Je pourrais record avec, c'est super cool. Du coup bah n'hésitez pas à le télécharger. On se retrouve à ce soir pour un live, sans doute à demain pour une nouvelle vidéo. Mettez un petit pouce bleu, rejoignez-moi sur Twitter et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne.